Stéphanie de chez Global Vet. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie et Mandoline, un chat de 8 ans. On est ensemble aujourd'hui pour vous expliquer comment réussir à tailler les griffes de votre chat à la maison sans que ce soit un combat ultime, parce que oui, c'est possible. Alors, voici les étapes pour y arriver. Première étape, c'est important en fait de comprendre comment une griffe est faite. Donc, la griffe du chat, elle est rétractable, ce qui veut dire qu'elle est normalement logée dans le bout des doigts lorsqu'elle n'est pas utilisée. La griffe contient une partie cornée, semblable à vos ongles, ainsi qu'une partie vivante et sensible qui apparaît comme un petit triangle rose à la base de la griffe. La portion piquante en forme de crochet contient uniquement de la corne et peut être coupée sans danger ni douleur pour l'animal. Il suffit d'éviter de couper proche de la partie plus large à la base de la griffe. Pour extérioriser la griffe, parce qu'on doit l'extérioriser évidemment pour être capable de bien la couper, on fait simplement une légère pression au niveau du doigt du chat. L'important, c'est de le faire légèrement. Donc, on fait une petite pression doucement à l'extrémité de la patte de l'animal. L'étape numéro 2 est de bien s'outiller. D'abord, ça nous prend un coupe-griffe de type ciseau, comme on peut voir ici. Et par la suite, ça nous prend une poudre hémostatique. Donc, c'est une poudre, en fait, qui contient un agent coagulant, ce qui fait que si jamais je coupe la griffe trop près et que j'ai un saignement, j'applique tout simplement cette poudre sur la griffe de mon animal, ce qui va arrêter le saignement. Troisième étape, on coupe les griffes. D'abord, assurez-vous d'appliquer les règles de base. Pour ce faire, référez-vous à la capsule sur ce sujet. Donc, pour tailler les griffes de l'animal, on lui offre évidemment quelque chose de positif. Donc, on lui offre des gâteries. On va extérioriser la griffe doucement. Puis, on va venir couper la partie cornée. Donc, tout ce qui n'est pas rose, je suis en mesure de le couper. On peut également prévoir faire des petites tranches, donc couper 1 mm à la fois si on est hésitant à savoir à quel endroit précisément couper la griffe. Donc, tailler de petites tranches à chaque fois permettra d'arriver ultimement jusqu'à la partie justement où on retrouve la veine. Si la griffe saigne, il suffit de la déposer dans la poudre directement. Pour conclure, assurez-vous de tailler les griffes régulièrement, aux 4 à 6 semaines, dépendamment en fait de la pousse de griffes de votre animal. Et si ça ne se passe pas comme sur la vidéo, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on pourra vous donner plus de conseils adaptés à la personnalité de votre animal.